Franck, bienvenue sur www.torcidouest.fr. Parle-nous de ta course au Sulky Duc de Médoc, un plaisir. Ouais, c'est vrai que monter derrière un petit cheval comme ça depuis l'âge de 2 ans, depuis l'éducation, j'ai jamais lâché et c'est vrai que ça fait plaisir à chaque fois qu'on monte derrière lui parce qu'il laisse son cœur sur la piste à chaque fois. Ouais. Aujourd'hui, il remporte la finale du circuit des grandes épreuves du circuit du Sud-Ouest où il termine deuxième au classement général. Franck, tu peux nous parler du parcours de Duc de Médoc aujourd'hui? Oui, on avait décidé d'aller devant aujourd'hui et j'ai essayé de se battre un petit peu. Quand j'ai vu Manu me regarder en face, il a repris, j'ai pris la tête facilement. Et après, j'ai fait ce que j'ai voulu et j'ai mis un uppercut dans les virages et l'ai gagné facilement. Le cheval était extra aujourd'hui. Il est vraiment bien dans les allures, vraiment tonique. Le cheval il est vraiment au top depuis très longtemps. Et c'est vraiment de gagner la finale aujourd'hui, c'est vraiment une belle récompense pour l'entourage. Même ta carrière, il t'a apporté beaucoup de choses. Ah oui, des joies et des pleurs. Ouais. Mais des pleurs de joie. Et c'est vrai que c'est un cheval, dès qu'on sait qu'on monte derrière lui, c'est arrivé quelques fois qu'on n'a pas pris d'argent, mais c'est vraiment pas de sa faute. D'accord, ok. Tu connais un peu la suite du programme? Non, pas du tout. Je pense qu'on va peut-être aller sur Cagnes, je pense. On n'en a pas discuté, mais on en a déjà.